présente une cérémonie qui, en réalité, est un point presse. Donc, il s'agira d'un point presse en réaction aux propos tenus par M. le Premier ministre lors du meeting de clôture de la visite d'État à Bonn. Invité à l'opposition des violences du droit de l'homme.
entreprise de l'UICOM et d'autres pays en catégorie qui ne sont pas adressés à voler le policier privé et à tuer les manifestants au fin du mur dans un délai la plus totale. En appel à la résolution du 28 août 2020, la ministre de l'Angola, sur les manifestations contre la candidature illégale et anticonstitutionnelle de la Fédération pour le troisième mandat. Cette attitude indique clairement que le pouvoir de la RDR a prémédité, planifié des visites. Dans les domiciles des opposants avec une intention manifeste d'attenter à leur responsabilité. Quatrième point, le RDR nourrit le projet du FUDES, un génocide de tous les Ivoiriens qui s'opposent à l'idée de troisième mandat en Côte d'Ivoire et à la confiscation du pouvoir d'État en s'appuyant sur des forces parallèles et des mercenaires. Repositionner la première voie de l'histoire nationale. Cinquième point, en réalité, la posture de Mohamed Bagayoko s'inscrit dans la logique du RDR, qui a toujours refusé d'appliquer les principes de l'État de en témoigne le refus de la FFA d'exécuter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, alors que la Côte d'Ivoire. Les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans toute la politique qui sont en cause et à assurer une répétition dans le délai fixé par la Cour. En conclusion, la CDAP nous informe à témoin la communauté nationale et internationale, le gouvernement de la liste, sur le sombre essai du régime Ouattara projeté contre la corruption en dehors du cadre légal. La CDAP nous réserve le pouvoir de porter cette affaire devant les institutions nationales et internationales. La CDAP appelle l'ensemble des militants. Les organisations politiques qui la composent et les valeurs de liberté et d'innovation à devenir sereines, mobilisées pour la fin imminente par la révolution au monde d'ordre de l'obéissance civile. La désobéissance civile devient un devoir dans les cas de l'ordre de la loi et pour l'apprentissage. Enfin, la CDAP est convaincue que le peuple de Côte d'Ivoire va progresser pour faire barrage à l'imposture et à la capacité du pouvoir de la Fédération. Les menaces et autres intimidations ne sauraient freiner la marche historique de notre pays pour l'avènement de Côte d'Ivoire reconstruit.